Ça y est, Fripp, je suis prêt. Très bien, à plus tard. Comment ça, à plus tard? C'est que tu viens avec moi, Fripp. Où ça? Comment, où ça? Tu avais promis qu'on irait se baigner. J'ai promis ça, moi? Oui, tu as promis ça, toi. J'ai fait des promesses, moi. Grand comme ça. Ah oui, je me souviens vaguement, oui, d'une histoire de baignade. Oh, mais c'est qu'il va falloir remettre ça plus tard, mon petit Pouille, hein, je pourrai pas y aller. Je suis désolée. Ah, non. Chose promis, chose due. Oui, je n'ai pas promis. J'ai un peu promis. Tu as complètement, totalement promis. Ah, mais non. Ah, mais si. Ah, mais non. Ah, mais si. Mais non. Mais si. J'ai dit que nous irions peut-être nous baigner demain s'il faisait beau. Nuance. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes demain. Et on ne peut pas nier qu'il fasse beau. Oui, mais... Alors, on va se baigner. Quand j'ai promis hier, j'ai dit que nous irions demain. Oui. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui et certainement pas demain. Alors, la promesse d'hier, elle ne tient pas. Mais allons, Pouille, ne vis pas dans le passé. De toute façon, j'ai des choses très importantes à faire. Alors, je n'ai pas le temps d'aller perdre mon temps à la piscine municipale. Oh, on va pas perdre notre temps. On va faire des plongeons. On va faire la nage papillon. On va explorer les profondeurs sous-marines. Pouille. On va faire la nage de la grenouille. On va rencontrer des tas de gens, Fripp. Bonjour, comment ça va? Oh, ça me fait extrêmement plaisir. Comment allez-vous? Oh, bonjour. Il fait beau, Fripp. Et j'ai pensé à tout. Regarde. Pouille. Oui. Tu me caches la lumière. Et d'abord, là, qu'est-ce que tu fais, hein? Je dessine, comme tu peux voir. Tu peux pas dessiner quand tu as promis. Pouille. Je suis terriblement inspirée aujourd'hui. Alors je ne peux pas m'arrêter en plein travail. Tu ne voudrais tout de même pas que je m'arrête en pleine inspiration, n'est-ce pas? Oui. Allons donc, tu penses pas ce que tu dis. De toute façon, si j'y allais contre mon gré, tu en serais désolé, monsieur. Mais tu l'avais dit, Fripp, tu l'avais dit. Mais alors, vas-y sans moi. Oh. Je veux pas y aller sans toi. Je veux y aller avec toi et m'amuser comme on avait dit. Pouille, des promesses, ce sont des choses qu'on dit comme ça. Alors il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Ça, c'est pas vrai, madame. Des promesses, c'est quelque chose qu'il faut tenir envers et contre tous. Surtout quand on l'a fait à des amis. Mais cette promesse, je voudrais bien la tenir, moi, Pouille. Mais je ne peux pas. Je dois terminer ma bande dessinée. Ça fait 3 jours que tu fais que ça. Tu passes tes grandes journées à la table à dessin et moi, je reste tout seul dans mon coin. Hier, tu avais promis que nous passerions la journée ensemble. Mais nous irons nous baigner, Pouille. Seulement quand j'aurai terminé mon histoire. Mais maintenant, laisse-moi travailler. Tu déranges mon inspiration. Oh, tu le finiras plus tard, ton histoire. Viens te baigner avec moi. Pouille, j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire que d'aller jouer. Alors, s'il te plaît, laisse-moi travailler tranquille. Non, mais c'est vrai, ça. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Ce Pouille s'imagine que dès qu'il veut quelque chose, je dois me plier à tous ses caprices. Oh. C'est comme ça? C'est comme ça. Très bien. J'ai peut-être pas fait l'école des grands cerveaux, mais il y a une chose que je sais. C'est que quand on fait une promesse à un ami, on doit la tenir. C'est le baba de l'amitié, ça. C'est la toute première règle. J'ai bien peur qu'il va falloir rappeler cette grande vérité à Madame Fripp, qui a un peu tendance à avoir la mémoire courte. Elle viendra à la piscine. C'est moi qui le dis. Oh!
Oh non! Oh, Fripp! Me mêler de ce qui me regarde pas, mais elle est un peu moche, ton histoire. Eh ben alors, ne la regarde pas. Tu vois, moi, la maison, là, je l'aurais coloriée verte. Non. Oh, ça aurait été bien plus joli en vert, avec des petites portes rouges, là, hein? Le bleu, Fripp. Le bleu. Ça fait 104 ans que c'est dépassé, le bleu. Pourquoi tu la colorerais pas en vert, la petite maison? Et pourquoi tu te déguiserais pas en courant d'air, toi, hein? Ce serait beaucoup mieux. Je pourrais travailler en paix. Tu vois, moi, le monsieur, là, c'est pas ça que je lui ferais dire du tout. C'est pas un monsieur, puis c'est une dame. Alors pourquoi tu lui fais des tonnes de cheveux partout, là? C'est pas des tonnes de cheveux partout, c'est une casquette. Puis, tu commences à m'énerver. Tu es trop fatiguée, ma petite fille. Tu es trop tendue. Viens avec moi, on va faire de la méditation transversale. Pouille, ça suffit, disparaît. C'est ton dernier mot, ça? C'est mon dernier mot, ça. Très bien. Puisque c'est comme ça, nous allons laisser madame à ses importantes activités. Bon. Mais madame saura ce qu'il lui en coûte de ne pas tenir ses promesses. Si vous ne pouvez pas aller à la piscine, il faut amener la piscine à vous. Oui, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, rien, te dérange pas surtout. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lampe solaire pour qu'on puisse se réchauffer au rayon du soleil. Mais enfin, puis pourquoi veux-tu te réchauffer au rayon du soleil dans l'appartement? Si tu veux du soleil, tu n'as qu'à aller là-haut. Une certaine amie à moi devait venir se baigner avec moi. Mais comme elle tient pas ses promesses, je m'arrange comme je peux. Pouille, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour l'ambiance, Fripp. Pouille, tu exagères. Et ça, c'est un petit peu de vent pour se rafraîchir un peu. Arrête-moi ça tout de suite. Comment? Tu n'aimes pas le vent? Pouille, oh. Ça suffit comme ça, tes petites plaisanteries. Oh! Oui, de tels que bon petit jus exotique pour les journées de baignade. Il fait exprès. Bon. Attention, je vais plonger là. Oh. Oui. Oh, elle est bonne. Tu te trouves drôle peut-être? C'est pas drôle du tout, Pouille. Oh, excuse-moi, Fripp. C'est que je pratiquais un plongeon à double salto arrière avec vrille. J'ai dû t'éclabousser un peu. Un peu. Je suis toute détrempée. Ça se reproduira plus, Fripp. Je te promets. Petit garnement! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous voyez pas que madame essaie de travailler ici, hein? J'allais lui dire ma façon de penser, Fripp. Oui, c'est ça, et surtout ne reviens plus.
ici, petit garnement! Attends que je t'attrape, toi! Essaye de m'attraper, gros monsieur! Comment ça, gros monsieur? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Viens ici, toi, petit garnement! Essaye de m'attraper, tu feras pas ta table! Oh! Oh non, j'en ai assez, j'abandonne! Alors, y a rien de tel que la baignade pour te détendre, Fritz. Je t'amène à la piscine du quartier. Tu vas voir, t'auras pas à le regretter. Ça va être la journée du siècle. Rien de tel que la piscine pour se débarrasser de son stress. Mais enfin, poussez-toi, mon stress. Tu me laisses pas travailler en paix. On s'entend même plus réfléchir ici. Et d'ailleurs, c'est pas de la piscine dont j'ai besoin, mais de la paix. Et c'est tout ce que je demande, moi. Oh. Elle dire tout de suite que tu voulais la paix. C'est... Je vais lui donner, moi, la paix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, pouvais-tu me dire ce que tu fabriques là? Un mur. Oui, ça, je vois bien que c'est un mur. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu construis un mur autour de ma table à dessin. C'est un bel atelier de travail. Comme ça, tu auras la paix. Mais je veux pas être emmurée, moi. Je me suis dit que comme ça, tu serais plus dérangée dans ta concentration. Oui. Tu vas m'abattre ce mur immédiatement. Pourquoi? Tu l'aimes pas, ton petit atelier, hein? Non, pas du tout. Tu sais, comme ça, y a plus de danger que je te dérange, hein? Il m'énerve. Siffler en travaillant. Non. Pouille, pouille, tu as gagné. Tu as gagné, je me rends. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Puis j'en peux plus, moi. Elle est beaucoup moins coriace que je le pensais. Aussitôt dit, aussitôt fait! Vos désirs sont des ordres, madame! Que veux-tu de moi? Que tu tiennes ta promesse et que tu viennes te baigner avec moi! Bon, tout ce que tu voudras, pour... Enfin, je te retrouve, Fripp! Je sais pas ce qui m'a pris de penser que je pouvais m'en tirer. Moi non plus. Oh. Ça fait bien moi que ma copine Fripp, elle tenait ses promesses. Oh, j'en étais sûr, Fripp, que tu viendrais. J'en étais aussi sûr que deux et deux font... Je sais pas combien font deux et deux, mais... Tu viendrais, ça, je le savais. Je suis tellement content que tu aies décidé de venir, Fripp. C'est fantastique, tu vas t'amuser, tu vas voir. Et puis regarde-moi ce soleil. C'est pas une journée pour pousser les crayons, ça, Fripp. Thank you.